Manar à Saint-Mittre-les-Remparts, première résidence de création avec le Philharmonique de la Roquette, une compagnie arlésienne qui présente son tout nouveau spectacle étonnant, mêlant images et musique. Le mieux, c'est de me suivre. Des créations, on refait les bruitages aussi qui sont calés à l'image, et tout ce qui est musical est interprété en live. Alors vous êtes trois musiciens avec un quatrième acolyte. Voilà, alors c'est formation clavier, contrebasse, batterie, et on est tous les trois compositeurs, donc chacun a composé des morceaux pour chaque film. Il y a une dizaine de films en gros. Et il y a des créations originales aussi au niveau des films avec des amis réalisateurs qui nous ont fait des films faits pour. La force de ce genre de spectacle. Justement, c'est le fait que le cinéma muet, en fait, accompagné en direct, a toujours existé, mais là, les films sont modernes, donc ils datent de l'année dernière, de cette année. Donc, au contraire, les films d'animation, tous les enfants sont assez partants pour ce qui est dessins animés assez légers, cartoonesques. Il n'y a pas que des films rigolos, mais voilà, on les a choisis pour qu'ils nous plaisent à nous aussi, donc c'est quand même très tout public. Mais en général, ça plaît bien aux enfants. On cherche dans les choix des films à passer par plusieurs types d'émotions différentes, histoire de aussi faire différents types de musique selon les films. C'est construit vraiment comme un spectacle vivant, donc avec des films plus lents, plus poétiques, d'autres très rapides, très, très drôles. Il y a plusieurs durées et rythmes différents. Voilà. Alors, la bonne raison de venir mercredi prochain? Ah bah, c'est de découvrir cette création exceptionnelle. Bah voilà, c'est lui qui l'a dit. Les films sont assez peu connus, hein, en fait, même s'il y en a qui ont eu des passages dans des festivals, c'est pas des films qui sont connus du grand public. Et quant à nos musiques, elles sont totalement inédites, donc voilà. Donc là, c'est une double première. Voilà, une grande première et une double action de découverte. Voilà. Et pour ceux qui n'ont jamais vu de ciné-concert, c'est aussi une forme de spectacle vivant assez surprenante, quand même. Alors, séduit par le concept? Retenez La Manar, Saint-Mittre-les-Remparts, mercredi 5 mai à 15h pour le petit ciné-concert du Philharmonique de la Roquette. Et pour en savoir plus sur l'actualité de la compagnie, n'hésitez pas, surfez sur le net.